Les bouquinistes, chose rare à Marseille, hein, finalement, c'est le seul lieu où on les trouve, Oui, comme à Paris sur les c'est quais. pas les quais de Seine, mais ils sont un petit Exactement. peu excentrés, mais il faut aller les voir là, ils sont quand même assez Eh bien, étonnants. Ali Martiniki les a rencontrés pour vous. On les écoute. On peut trouver du Timbuktu. On peut trouver également quoi? Du John Coltrane si on veut. On peut trouver également des vieux Gainsbourg, si l'on veut aussi. Et c'est décliné en féminin, c'est-à-dire ces artistes qui ont chanté ces chansons. Nous vendons des CD, des DVD, des bandes dessinées, voilà, que ce soit du classique, des variétés françaises, de la pop, Pink Floyd, Rolling Stone, voilà, les anciennes époques de 70, ou autrement, un peu de la techno, voilà. Quand j'étais jeune, je venais ici acheter tout ce qui est Marvel, pas mal de bandes dessinées, les DVD, voilà quoi. Ben déjà, les prix sont plus intéressants. Et après, il y a le côté, comment dire, marché, voilà quoi. À la Fnac, on va pas. Si on va dire que c'est. Moi, j'aime bien venir ici dans le sens où, au niveau des produits, c'est sympa quoi.